digne fils de Ken d'Argent, dont il a hérité du bon caractère et joli cheval d'1m60 avec de bons points de force, Jimmy Two Times se fut précoce et tenace en course sous la casaque du haras de Saint-Père puis celle de Godolphin. Son entraîneur André Fabre a dit de lui, il est plein de qualités, précoce et régulier, doté d'un vrai changement de vitesse, il devrait faire un bon étalon et récompenser les éleveurs qui lui feront confiance. Lauréat du prix Zedan Listed à 2 ans, Jimmy Two Times fut un très bon performeur à 3 ans, gagnant de 2 nouvelles Listed, du groupe 3 prix de la Porte Maillot et 3e du prix Maurice de Guest groupe 1. À 4 ans, il a remporté le prix Edmond Blanc groupe 3 et le prix du Muguet groupe 2 à Saint-Cloud. Et à 5 ans, Jimmy Two Times a accumulé les places dans 5 courses de groupe. Ses premiers poulains produits en Allemagne sont désormais Yearling avec de l'os, de la taille, bien charpenté et de bons aplombs. Il y a saillit 80 juments pour ses 2 premières années de monte, un chiffre tout à fait correct dans le contexte allemand actuel. Jimmy Two Times a été bien accueilli par les éleveurs qui sont venus le voir à Clairefontaine lors de la vente de décembre 2020. Le cheval est en cours de syndication, une part d'un endroit à 2 saillies. Le rat de Montaigu va bien sûr le soutenir. Les éleveurs cherchant précocité et vitesse, et aussi en quête de la lignée mâle Kenmar, Kendor, Ken d'Argent, ici croisé avec Anaba, peuvent être séduits par Jimmy Two Times à 4000 euros. Ken d'Argent se présente en effet comme un père de pair grâce à Goken, tête de liste des étalons de première production en France et deuxième en Europe.